Je rassure, c'est pas moi qui fais les bruits de petits monstres. C'est tout simplement le trailer d'introduction de FF14. Et après 2 ans d'arrêt, mais avec quelques petites reprises de temps en temps. Hey, coucou Belgrade. Avec bien 2 bonnes années où j'ai vraiment arrêté complètement, avec des petits retours de temps en temps, dire bonjour aux copains. J'ai envie de repartir vraiment dessus, parce que voilà, il va y avoir la suite plus tard. J'ai cru comprendre qu'il y avait un nécromancien qui allait pop, et voilà, ça c'est mon perso de base, et on va faire un nouveau perso. On va faire un nouveau perso, on va pas le faire très différent physiquement parce que j'adorais mon personnage. Mais on va regarder un petit peu. Parce que du coup il y a eu le... En fait moi je me suis arrêté, il n'y avait pas encore les... Enfin, je les ai vus vite fait, mais j'ai pas vraiment eu le temps de m'intéresser au lore des deux nouvelles races. Mais voilà, il y avait les Mikotes. Et on va rester sur les Yur. C'est pas très original, mais voilà, j'aime beaucoup cette classe. Cette race, pardon. Tu joues RP? Ouais, alors j'ai joué RP pendant un temps. En fait, j'ai fait un peu tout sur FF, hein. Pour être franc, j'ai bien bourlingué pendant... Ah, en fait, à sa sortie, j'ai joué à sa sortie jusqu'à... Red Alexander et un petit peu après, je sais pas si ça te parle, mais voilà. On a fait du RP un petit peu, on a fait pas mal de choses. D'ailleurs, petite anecdote, je suis marié à Nimelia dans le jeu, voilà. Puis on va reprendre, parce que j'ai cru comprendre en fait que il y avait pas mal de petits changements, rien que dans l'introduction. Du coup, c'était intéressant de voir un petit peu vers quoi ça allait tendre. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles coupes de cheveux? Ça, c'était plus classique. Moi, ce que je mettais, c'était souvent celle-ci. Mais il y avait une que j'aimais bien. Ah, c'était avec la dernière extension. Elle est pas celle avec les cheveux rasés sur le côté, là. Pas celle-là, c'était un genre de truc comme ça, mais un peu différent. Non. Ah, voilà. Je t'aurais bien rejoint avec un nouveau perso, mais je vais passer du temps à monter mes classes de craft et je suis des... Tu m'étonnes, je suis un très piètre crafter, même si j'avais monté mes jobs quand même, mais avec beaucoup d'aide. Ah d'accord, en fait les extensions apportent énormément de choses, vraiment cool pour le coup. Que le jeu de base, tu fais assez... Enfin, déjà ils ont raccourci surtout les quêtes de... Voilà, des quêtes FedEx et des machins, ils ont vachement raccourci ce truc là. Du coup c'est aussi ce qui me donne un petit peu envie de repartir sur le jeu. Et on va partir sur un... Je pense que je vais prendre la classe je sais même plus les classes pour être franc. C'était pas le gladiateur, du coup c'était le berserk, le guerrier. Enfin, c'était guerrier je crois. Hop. Alors... Non. Ça... Ils ont mis des barbes, des nouvelles barbes. Hop, les iris. On change pas. Mettre les yeux dorés.
Moi, je kiffais le système de craft, c'est la première fois que je fais un MMO où le craft était aussi complet. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, mais après, j'adore le principe que tu peux tout faire avec un personnage en fait. Alors, le principe là, vraiment, je l'adore. C'est clairement mon truc préféré. Même si j'aime beaucoup les rerolls. Parce que du coup, vu que je joue RP, j'aime bien avoir différents personnages pour faire différentes choses. Mais ah, il commence à avoir de la gueule là. Non, on va aller juste l'élève de base. Signe distinctif. D'accord, ils ont toujours pas mis de barbe au Yur, d'accord. Très bien. Et je vais mettre du maquillage. Voilà, pour mettre un peu de cerne à notre guerrier. Alors. Ouais. Ah, c'est pas mal. J'aime bien. Ok. Et voir ce que ça donne dans différents décors. La coupe de cheveux, ça me plaît pas. Ça, c'est ma vraie coupe. On va mettre ça. En vrai, je pense qu'on va partir sur ça. Mais il a un trop grand front. Ça fait très FF12. Je sais pas pourquoi. Pas mal, j'aime bien. Mâchoire peut-être un peu plus carré. Voilà. Et les yeux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait. Oh, un peu plus perçant, c'est cool. Ok, ça me plaît bien. Marqué, je vais l'appeler Ruskin Zeros. Alors, du coup, nous sommes nés. 9 de la 5e lune astrale. Non, ça a changé, tiens. Je suis né effectivement le 11 septembre. Labo, il est toujours le même, même s'ils ont fait une scission. C'est-à-dire que tu peux jouer en format standard ou complet. Complet, c'est 13 euros. Vous faisiez des brouettes, quoi. Et l'autre, et tu peux jouer donc 8 personnages par. Tu peux faire 8 personnages en gros. Et tu as un format où c'est un peu moins cher, je crois que c'est 10 euros. Et tu as accès qu'à un seul personnage. Donc voilà, ça dépend. Après, en vrai, c'est vrai que celui qui veut se lancer dans le jeu ou quoi que ce soit, un personnage c'est suffisant. C'est assez quoi. Alors, du coup, nous on était sûr. Ah, allez, je vais suivre Nimeya. Pas du tout parce que je suis un gardien de la planète ou quoi que ce soit. C'est en honneur à ma femme, à mon ancienne femme. Voilà. Donc du coup, nous, on partirait sur Maraudeur. Voilà, c'était Maraudeur. Et du coup, on va voir si ça lui va bien. Ouais, c'est pas mal. Souvent fait gladiateur. Paladin. Avant de faire chevalier noir. Ah, il est cool, même en barde, il a un petit côté barde un peu rigolo.
Il est sympa. Ok, ça va, ça passe. Le perso passe avec toutes les classes, donc c'est cool. Mais on va partir sur le maraudeur. Ok. Changer. On va aller sur Phoenix. Et du coup. Zeros et Zeros Mercer? Ouais, c'est rigolo, en hommage à Critical Role avec Matt Mercer. Et bien c'est parti. Ah, ça fait drôle de recommencer. En vrai, c'est cool. Ah oui, il va falloir passer aussi par le par la réfection de toute l'interface. Cette musique quand même. Ah, je joue en français au passage. Je sais que ça peut en choquer certains, mais j'aime bien jouer en français. En plus les doublages sont pas mal élevés, donc. Re-easy. Le moi aussi, je suppose que c'était pour le doublage. Ouais, j'aime bien les doublages. Enfin, je suis un défenseur de la VF en vrai. Que ça serait quand même dommage qu'on perde ça. On est un des rares pays, mine de rien, à avoir des V, on va dire des V dans le pays de qualité. Même si des fois ça paraît bizarre, mais. Même si des fois il y a quand même certains trucs que je préfère en VF, en VO je veux dire, mais voilà. Ah bah devine, easy, forcément. Je vais pas trahir une nation quand même. Je vais pas trahir un serveur. Ah oui, forcément. D'accord, sur Omega.
Avec grand plaisir. De toute façon, je pense pas que, en vrai, je pense pas que je vais rejoindre les Blitz dans la CL. Parce que voilà, j'aimerais découvrir d'autres choses en fait. Et, mais forcément, tous les Blitz, tous les anciens Blitz que je connais, même Siloé, un truc comme ça, Siloel, tout ça, je vais les demander quand même en ami. J'irai faire une petite demande sur, sur mon autre perso pour pouvoir rejouer avec eux. Même, c'était Beerus et tout ça. Ouais, ok. Bah écoute, je te tiendrai au courant. C'est gentil en tout cas. Mais bon, en vrai, j'ai fait tank pour pouvoir un peu rush les donjons aussi. Qu'est-ce qui m'a poussé? Puissance. En plus, Sohil m'avait dit que justement, ils avaient raccourci les quêtes un peu useless de la quête principale, donc. Ah ouais, beaucoup plus rapide à ce point-là. D'accord. Et moi je veux me battre. Fuir, c'est pour les lâches. Bon, d'accord, ils sont trois. Il y a trois bateaux. Bon, allez. Je veux bien finalement. Ok, ça marche. Très bien. Je crois que j'ai jamais commencé à l'IMSA. Pas souvenir en tout cas. Toujours commencé à... Uldia. Ah ouais? Allez, on va dire oui, comme ça il va nous donner un petit peu les nouveautés. La mère patrie. Exactement. Non, en vrai, j'ai même eu Gridania. J'avais déjà fait. J'avais un archer, je crois. Et, mais voilà, sans plus. Ça a toujours été soit pugiliste, soit gladiateur. Donc forcément, c'était Ulda. Déplacer la fenêtre. Il est quand même fort hein, parce qu'il est sur les trois parties scénario, il était là hein. Donc notre chère personne mystérieuse.
Ça aurait été drôle de le revoir un petit peu plus tard, j'ai pas souvenir de le revoir à part. Au sud-ouest des Orzea, sur une île martelée par les vagues tumultueuses de la mer de Rotano, se dresse fièrement la cité-état de Limsa Lominsa. Réputée pour être un repère à malfrats et autres coupe-jarrets, cette ville accueille aujourd'hui un aventurier solitaire. Solitaire mais pas seul, car son arrivée a attiré l'attention de Limlaen, la divinité de la nation. Y'a rien que ça. Quel avenir a-t-elle vu dans les remous agités de l'âme de ce mortel? Du stuff de level 100. Ok. Et oui, je vais devenir célèbre. On va déjà faire le premier donjon, après on parlera de célébrité. Hein. Puisse la navigatrice l'accompagner dans sa traversée et le guider à travers les tempêtes qu'il aura à affronter. C'est ici, à Limsa Lominsa, que commence son épopée. Bah, ça fait plaisir de retourner dessus, en vrai. Ça rappelle des bons souvenirs. Je sais plus combien j'étais sur combien. Enfin, level 80, j'étais sur combien de persos. Samouraï. Samouraï chevalier noir, sûr. Le reste, je sais plus. Y'a Mimi. Y'a bonjour. Et Mimi. Il a un nom, hein, mais la petite l'appelle Mimi, alors du coup. C'est resté. Viens. Non. Et reste à côté de l'ordinateur, il fait chaud. Un peu perdu, et encore. T'as pas vu? Bon. Bien, bien, bien. Clavier souris, ZQSD, nanana, pas de problème. Bien. Matou. Alors. Dis coucou. 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 Ouh. Alors. Ça on est ok. Ça on est ok. Maintenant.
Mais c'est quoi la différence? Ah oui. On va jouer comme ça. Donc ça c'est ok. Ensuite. Les... Ouais oui, je t'aime aussi. C'était... Non, personnage. Les raccourcis. Très bien. Hop, on va mettre une troisième barre. Où est-ce qu'elle est apparue? Elle est là. Voilà. Et ok. Ou après, on est là. Ouais, j'ai pas trop perdu. Non, raccourci. Barre des raccourcis. Donc toute la partie là on est bon. La deuxième part. Neuf. Ok. Ok. Ah, ça a pas pris en compte la troisième barre. D'accord. Voilà. Bon, pardon, c'est bon. C'est pour les vues. Pour les vues de Mimi. Et tu veux un compte aussi, c'est ça? Hmm. Tu veux jouer une micote? Ok, ça on sait, c'est pas un problème. Très bien. Allons à la guilde des aventuriers. Alors... C'est la fête, hein? Ah oui, d'accord, je comprends mieux quand tu disais que c'était peut-être un frère, effectivement. Ça pourrait être son frère à lui. Alors, il y en a un qui me dit que c'est un petit paradis et l'autre qui me dit que c'est un enfer parce qu'il y a des malfrats et des pirates. Bon, d'accord. Tout dépend où tu... la caractérisation de ton mot paradis, quoi. Les gardes de Maldé, ça doit pas être quelque chose de très grave ce qu'ils sont en train de faire.
Bien sûr. Je suis là pour ça, après tout. Par contre, je sais pas écrire. Bah oui, j'avais précisé. Hein. Donc, le cousin germain du neveu de la sœur du père de ma défunte grand-mère. Donc, il a une grand-mère. Et du coup... D'accord, ça va, il n'y a pas d'un... Il n'y a pas l'air d'avoir d'inceste dans le délire. C'est ça. Pour le moment. Effectivement. Ok. Ça y est, on est riche, on a 100 gils. Ah, ça va là. Ok. Ce qui est importante, oui, c'est celles qui ont ça, je me rappelle. Ok. Oh, bonne mère. Putain, c'est le 0SV1 en blond, quoi. C'est chaud. Ok, pas de soucis. Alors. Ouais, j'ai tendance à faire ça. Pas régler la carte, ah, c'est là. Voilà. Disons que j'ai besoin d'une carte à la hauteur de ma non capacité à m'orienter. Ok. Bah oui. J'ai en fait le truc, c'est que les tanks de manière générale, ils ont toujours des armes gigantesques. Et forcément, ça cache la vue et tu te perds dans les donjons, c'est un enfer. C'est un vrai problème.
Ok. Vers quoi on part? Allez. Montons. De repos, oui, c'est pour l'XP en plus. Ah ah! Une Isiris sauvage apparaît. Hop. C'est ça qui est dommage dans ce jeu, c'est que. En fait, c'est un MMO, mais ça reste un MMO solo, parce que tu vois, ce genre de quête, ça peut être drôle de les faire à plusieurs, tu vois. Alors, drôle, c'est peut-être un mot un peu grand. Mais faire des quêtes à plusieurs et tout, ça aurait été cool. Oula, comment ça se prononce ça? Altskif? Altskif, ouais. Ça, c'est pas un problème. Les territes. On va aller récupérer un petit peu ce qu'on avait dans le. Dans notre courrier. D'ailleurs, quoi enregistrer comme point de retour, ok c'est bon, envoi favori aussi, pour le moment. Non, 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 il n'y a pas de PL, hein. Non, 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 non. Seulement si c'est cosmétique. Non. Non, c'est très gentil, mais non. Le PL, c'est non. Quand j'aurai, vraiment, si j'ai besoin, à un moment ou à un autre, ok. Je veux bien, à la limite. Mais pas de PL. Non, parce qu'en vrai, ce que je pourrais faire, c'est transférer le pognon que j'ai sur mon autre compte sur mon personnage et puis le balancer, tu vois. J'avais plusieurs millions, donc voilà. Mais c'est from scratch, comme on dit.
Ok. La mock post. Il y en a pas ici, c'est dans la zone d'après, je suppose. Salut à toi, aventurier. Effectivement, voici. Effectivement. Bon. Qu'est-ce qu'il a d'autre avant? T'as vraiment, il y a certains noms, c'est veuillez insérer random voyelle plus consonne, hein, c'est c'est chaud. Ok. Ok, on va continuer par là. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'on peut s'harmoniser directement avec ça, ça nous facilitera le travail par la suite. Ça, en vrai, dans la première fois que j'ai joué, j'ai dû être niveau 60 avant d'avoir rempli toutes les éthérites de les éthérites urbaines. D'accord, hein, les éclats de terre et tout ça, ça sert toujours pour le craft, hein, et uniquement à ça. Ça c'est la guilde des arcanistes, pour le moment on s'en fout. Y a pas un truc où tu peux... Voilà, parfait. Ou à la vente, ouais, effectivement. Je sais que... Et qui c'était Skies, qui est comment ça s'appelle... C'est Ellie, qui faisait son business avec ça. Alors par contre, il y a un truc chelou. Attribution de touche. Ok. Je vais juste le refaire parce que j'ai un doute sur un truc. Ok, ouais, c'est bon. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir un truc, c'est que... oui, j'avoue. Et faut savoir un truc, c'est que je joue avec un clavier belge. Je n'ai pas un clavier français.
Et des fois ça pose problème dans certains jeux. Donc un AZERTY belge, parce qu'ils ont aussi des QWERTY, mais AZERTY belge. Ok. Tac tac tac. On va visiter la guilde des maraudeurs, tiens. Plaisir, madame. Alors, ensuite. Oh! Ça y est. Le point canard a été. Le point canard a été touché. Ça y est, on peut. On peut stopper le jeu. Enfin. non, ça c'est pour devenir cuisinier. On va pas faire ça pour le moment. On va pas se surcharger de trucs inutiles.